Ali Poupa dans une soirée de gala accompagnée de Lincha, de Guylaine et plusieurs célébrités internationales. Bonjour, bonsoir la grande famille, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, mais surtout de commenter et activer votre cloche de notification pour ne rater aucun scoop. Voilà, là nous sommes encore en retour en images. Vous voyez les images de Fally Ipupa qui était à la soirée de gala accompagnée de Lincha et Guylaine et plusieurs célébrités international. Donc Fally Ipupa, mais il a mis du feu hier, c'était vraiment bien. Ils ont pris des photos, ils ont rigolé, ils ont fait la vente aux enchères. Fally Ipupa même proposé 5000 et il se moquait même d'autres personnes qui n'avaient pas l'argent pour mettre. Donc c'était vraiment quelque chose de bien. C'est vraiment une complicité entre Fally Ipupa et Lincha, hein. On a toujours remarqué cela il y a très longtemps, hein. Fally et Lincha, c'est vraiment quelque chose de ouf, quoi, voilà. Et là, nous avons Stromae qui parle de l'artiste Fally Ipupa. Pourquoi pas un jour un featuring dans les jours à venir, pourquoi pas, puisque c'est un artiste bourré de talent et Fally aussi, c'est un artiste bourré de talent. Et donc, leur association fera, pour moi, certainement quelque chose de bien. Donc, préparez-vous, peut-être qu'un jour que vous allez voir Fally Ipupa avec Stromae, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver. Donc sur ce, là, je vous souhaite une bonne journée. Aussi, Fally Ipupa, par exemple, j'ai pu découvrir lors d'une émission, je connais pas le nom de l'émission, mais je l'avais vu, et ouais, pour moi, c'est un performeur. J'ai vu un petit peu d'une vidéo de son concert aux Zénith de Paris aussi, et je l'avais vu aussi dans cette émission congolaise, je pense que mes souvenirs sont bons. Et voilà, c'est juste des performeurs porteurs, quoi. Donc je comprends pas, mais c'est pas grave, en fait. Mm-hmm. C'est du lingala, mais on s'en fout, en fait. C'est juste qu'à un moment, ça me touche, mm-hmm, musicalement. On passe au-delà, on fait pas des bouquins, on fait pas de... J'ai pu découvrir lors d'une émission, je connais pas le nom de l'émission, mais je l'avais vu, et ouais, pour moi, c'est un performeur. J'ai vu un petit peu d'une vidéo de son concert aux Zénith de Paris aussi, et je l'avais vu aussi dans cette émission congolaise, je pense que mes souvenirs sont bons. Et voilà, c'est juste des performeurs porteurs, quoi. Donc je comprends pas, mais c'est pas grave, en fait. Mm-hmm. C'est du lingala, mais on s'en fout, en fait. C'est juste qu'à un moment, ça me touche, mm-hmm, musicalement. On passe au-delà, on fait pas des bouquins, on fait pas de...